souvenir, souvenir. Je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir. Vous l'avez au bon moment. Oh, bien joué de sa part, bien joué de sa part. Bon, on perd 2-0, c'est pas grave. Avec 14 tirs à 6, mais voilà, il a montré l'efficacité, c'est ça. C'est ça les grands youtubeurs, voilà. Du nom de Robert 87000, quel est ce blaze, frérot? Il s'appelle pas Robert, c'est pour ça, quel est ce blaze? Allez hop, on s'est pris un but. Et tout, et Robert 87000, il a une manière de jouer que, bah, que je retrouve pas souvent en ligne, c'est-à-dire que ouais, il presse à mort. Ici pour peut-être récupérer ouais, le ballon. C'est ce que je me disais. Bah, on est dans la merde. Il y a l'appel de Ronaldo. On est dans la merde, bâtard. Il fout trop la mort. Il fout trop la mort. Il fait l'appel parfait. Et lui, il fait aussi la passe qu'il faut, son joueur de Horace qui pue la merde. Tain. Les gars, la victoire pour ce premier match. Je suis content, 3-2. On menait 3-0, donc c'est dommage. Ça nous aurait peut-être offert la grosse victoire si on aurait fait match 1 sur sa chaîne. Maintenant, on peut toujours aller chercher 2 buts d'écart sur sa chaîne et avoir la grosse victoire. 3-2. L'essentiel est assuré, mon coach. Oui, l'importe, 1-0. Oh, le poteau nous avait fait mal, mais on revient sur la fin de match. Bien joué Ronaldo, le scoop turn. 8 tirs à 5. C'est dommage, à la fin, là, je fais même pas tourner. Magnifique, magnifique le poteau rentrant, les mecs. Je pensais qu'il allait tirer à droite. J'ai bougé le gardien en plus, je crois bien. Donc, normalement, bah, impossible à l'arrêter une fois que j'ai bougé le gardien d'un côté. Tenter de gagner ce match. Les statistiques, ça reste un match serré. Allez! Allez! Non! Oh, c'est à côté! Le 3-0! On ne passe pas loin de la correctionnelle! Allez là! Allez, Ibra! Allez, Ibra! La délivrance! Le 3-0! Et bing! 4-0! T'es sûr? J'avais dit 4-0 ou pas au début? 4-0, j'avais pas vu ça. T'as déjà la mi-temps, j'en prends 3-4. Zinzou! Hey frère, je suis vraiment nul. Hein. Attends, on va envoyer un petit message à Robert. Les touchs Serie A sont dans les packs. Et si t'as envie de packer un CR7 Touch, je te conseille d'aller sur Instant Gaming. Il y a des cartes Xbox, PSN ou des points FIFA moins chers. Le lien est en premier dans la description. Fais-toi plaisir. Bonjour à tous, c'est Robert 87000. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le match tant attendu chaque année, le match Yomax vs Robert 87000. Alors, ce match-là, c'est un peu notre derby du youtubeur. À chaque fois, on s'affronte, tu vois. C'est le choc. C'est le choc pour savoir qui sera le meilleur. En tout cas, on va voir comment ça s'est passé. On s'affrontait en début d'année. J'avais gagné 4-0 et c'est pour ça qu'il m'avait envoyé Idriss pour mettre une fessée. Il a bien fait parce que Idriss m'a mis la fessée 5-3, mais vraiment, Idriss a été bien meilleur que moi sur la double confrontation. En tout cas, on va voir ce que ça donne face au patron du YouTube Game, Yomax, dans la Melting Cup. Oui, parce que c'est dans le cadre de la Melting Cup. Le match retour sera sur sa chaîne ce soir, donc n'hésite pas à aller voir le match retour pour savoir qui a gagné la double confrontation. En tout cas, moi, j'ai fait un petit changement dans mon équipe de la Melting Cup. Alors, j'ai rétrogradé notre ami Mbappé Fut Birthday, que je n'avais plus dans mon équipe. Hein. J'ai pris Griezmann Fut Birthday. Ah bah, au moins, Yomax, lui, était content. Hein. De joueur de 3,7 millions, je suis passé à un joueur à 700 000. Il y a une petite différence. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à laisser un gros like sur la vidéo, mais surtout sur toutes les vidéos de la Melting Cup pour soutenir, pas seulement sur la mienne. Ça serait vraiment parfait. En tout cas, moi, je vous laisse découvrir le match aller contre Yomax dans cette Melting Cup. C'est parti. Oh, ça va, la latence est bonne, les gars. On est parti. Le patron du YouTube Game, on affronte. Vas-y, j'ai le maillot de l'équipe de France. On va voir ce que ça donne. Bonne chance. Merci, les gars. Merci, merci pour votre soutien. Reste focus, mon Robert. Ah, c'est dur, c'est dur. Kanté Totti, il a son icône en pré, ok. Tomori en défense. Eh, bah, franchement, je pense qu'il a été presque plus malin que moi. Parce que Tomori en défense, c'est plutôt pas mal. Mbappé, j'ai peur défensivement sur les côtés. Hein, parce que s'il a sur les côtés Mbappé Neymar face à mes latéraux argent, je vais me faire défoncer sur les côtés. Hein. Le tact assassin. J'ai du mal, les gars, j'ai du mal, je suis pas bien. C'est moi ou mes joueurs ils sont lents? C'est qu'on n'a plus l'habitude de jouer avec des régulars? Ouais, c'est peut-être le fait que ça soit bronze. Ah hein. Oh ouais, la fin de passe, frappe qui passe pas. Ah, je pense que c'est juste que c'est des. Je pense juste que c'est les bronzes, les gars. C'est juste le fait que ce soit les bronzes?
bizarre hein, quand même. Franchement, c'est bizarre. Je sais pas. Alors, ne jouez pas avec des joueurs bronze. Ne jouez pas avec des joueurs bronze, les gars. Mais c'est une cata. J'ai l'impression qu'ils sont lents. Une passe. Bien joué, les couilles. Les couilles. Putain, c'est super dur. Non, au contraire, je me plains pas. C'est, je trouve ça bien que ça soit aussi dur. Je trouve ça bien que ça soit aussi dur. Il a joué ça. Oh, il mérite. Oh, il mérite. Oh, que j'ai mal défendu. Putain, mais mes fans de frappe, ça marche pas bien. Rappelez. En sueur, 96. Mais clairement, là, j'ai de la chatte, j'ai l'impression que mes joueurs ils sont tellement lents. Pourtant, tout le monde a 10, on est d'accord. Hein. Bien ça, Big Billard. Par. Il est passé. Oh non. On décale le gardien, oui. Oh, on a de la chance. Oh putain. Oh, le match est dur. Mais c'est rigolo. Oh bien ça. Bien Biglia. Oh Biglia, dommage. Oh Biglia. Il avait régalé Biglia. Et il a mis le pressing, j'ai du mal à ressortir. Il a bien joué le coup là parce que. Et on peut prendre le contre. Allez Biglia. Je joue mal le coup. Oh, à côté. Oh, ça sort bien. Y'a faute. Comment y'a pas faute, monsieur l'arbitre? Oh que c'est dur. Enfin, je change, mais j'ai un problème. J'aurais pas dû mettre des ailiers comme ça. Hein. Je sais même pas comment ils ont réussi à défendre. Bien joué, Oyo. Putain, ça aurait été serré, hein, les gars. Oh, le match. Bien joué, Oyo. Et 4-3, 4 tirs partout. C'est dommage, hein, parce qu'il a, il loupe la dernière avec Crespo, là. Je croyais qu'il y avait hors-jeu, hein, franchement. Je croyais qu'il y avait hors-jeu, et pas du tout. Oh, ça se joue à rien. Tant mieux que Crespo est pas bon chez lui, hein. Bon, victoire, bon, ça fait toujours plaisir, mais voilà, des matchs compliqués à chaque fois contre Tio Max. On est content de s'imposer, même si à chaque fois c'est vraiment, vraiment dans la difficulté, hein. Voilà, il fait pas des élites tous les week-ends pour rien, donc forcément, c'est toujours assez compliqué. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser le gros like, à aller voir le match retour et à aller sur la chaîne de Yo Max, ça me ferait vraiment plaisir. Donc le lien est en premier dans la description, moi je vous fais des bisous à tous, c'était Robert87000, ciao les gars.